Arrivés Construction est une entreprise générale, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1945. Nous travaillons sur le secteur du logement collectif, sur la région Île-de-France et sur Paris, avec des résidences-services, des EHPAD, des logements-foyers, des bureaux et le secteur de la réhabilitation également. L'entreprise a au cœur de ses valeurs le sens de l'intérêt général, l'écoute et la satisfaction du client. Nous utilisons le BIM non seulement à la demande de nos clients, mais aussi pour nos propres usages, chantier par chantier. Ainsi, par exemple, sur chaque chantier, nous regardons quel pourrait être l'apport du BIM comme cas d'usage pour la réalisation du chantier. Alors, je vais vous citer un exemple. Nous avons eu une opération de 555 logements à Saint-Ouen, pour lequel il y a des éléments de façade préfabriqués, en préfa blanc, et pour lequel nous avons utilisé le BIM. Nous avons souhaité sécuriser le chantier, c'est pour ça que nous avons utilisé le BIM pour la réalisation de ces éléments préfa béton. L'idée, c'est d'avoir aucune erreur dans les cotations pour que les éléments, quand ils vont être préfabriqués puis amenés sur le chantier, il n'y ait aucune erreur. Alors évidemment, tout n'a pas été simple. Avec les spécificités de la façade, le calpinage des joints, le nombre important d'éléments qui sont pour la plupart presque tous différents les uns des autres, donc plus de 2000 éléments préfabriqués en tout, il a fallu travailler avec toutes ces contraintes. Alors nous sommes partis de la maquette architecte et nous avons modélisé avec Revit Structure tous nos éléments préfabriqués en intégrant le calpinage de l'architecte. Et ensuite, nous avons donc obtenu tous nos fichiers Revit et nos fichiers IFC que nous avons pu transmettre au préfabricateur qui a ensuite pu les utiliser pour réaliser ces éléments. En renseignant des paramètres tels que la masse volumique des éléments, en associant avec la capacité de levage de la grue et à la distance à laquelle se trouvent les éléments, nous avons pu ainsi valider le calpinage des joints qui était d'abord proposé par l'architecte, mais qui ensuite nous avons pu le valider techniquement en fonction de ces différents paramètres. Ça nous a permis de valider complètement la modélisation dans Revit Structure. Ainsi, la nomenclature a pu être éditée, transmise au préfabricateur pour lui permettre d'organiser sa logistique de transport, d'approvisionnement. Notre service méthode a pu aussi exploiter la maquette de Revit Structure pour organiser la pose des éléments sur le chantier. C'est toute cette continuité numérique qui nous a garanti un résultat conforme à nos attentes. Au final, la satisfaction du chantier est au rendez-vous. Eurostudio est pour nous un partenaire de longue date. Nous travaillons ensemble depuis 2015. Eurostudio nous a fourni nos licences Revit, nous a accompagnés pour les formations des collaborateurs et également lorsqu'il a fallu choisir le type de licence et les évolutions dans toutes nos licences.